Salut à tous et à toutes. Et alors, un peu. Pourquoi il y a le son qui est si fort? Pourquoi on entend les micros? Attendez, arrête de faire du bruit Skyrim. On va lancer la partie tout de suite. Comme ça, on aura la paix. Voilà. Voilà, merci bien. Faites preuve de politesse. Oui, alors, bien. Salut à tous et à toutes. J'étais tout prêt à 30, puis le coach était en retard. Du coup, j'ai commencé à prendre mes ailes, je me suis fait un thé, etc. Et du coup, je ne suis plus prêt du tout. Comme quoi, c'est terrible. Après l'heure, c'est plus l'heure, comme dirait Nadine de Rothschild. Car, élément très important, c'est pas juste un stream comme on connaît. Du coup, je sais plus si vous avez le son. Si vous l'avez, c'est bon. C'est pas juste un stream Skyrim avec des polls comme on en fait maintenant chaque semaine depuis 3 siècles. C'est un stream un peu particulier parce que j'ai trouvé complètement par hasard dans une j'ai un bouquiniste à Paris. Ce week-end, ceci. Le bonheur de nuire, l'art de réussir. Alors vous allez me dire, ce n'est pas le vrai titre du livre. C'est vrai. Mais je ne connais pas le vrai titre du livre, en fait. Et j'ai pas voulu décoller le prix, parce que c'est tellement beau de voir écrit 50 centimes. Et je continue à penser qu'il y a vraiment écrit le bonheur de nuire, l'art de réussir. Et après avoir lu quelques passages du livre, dont certains, mais franchement, qui sont impossibles à lire sur une chaîne Twitch tout public, mais on serait striké, quoi. Alors que c'est Nadine de Rothschild, hein, c'est pas un truc porno ou violent, non, c'est Nadine de Rothschild, il y a des trucs, je les lis, mais sans rire, la chaîne, elle est ban, quoi. Donc, en tombant sur ce livre, je me suis dit que ça valait le coup de faire un stream où on jouerait à Skyrim en suivant les conseils de Nadine de Rothschild. C'est quand même très intéressant. Parce que vous allez voir, c'est un livre qui est au-delà... Je sais pas si vous l'avez lu, je suppose que oui, hein, c'est un grand classique, mais c'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et franchement, ça vaut largement ces 50 centimes, et c'est même pas 50 centimes, parce que je tiens à vous dire que, et c'est absolument vrai, j'ai trouvé ce truc dans le bac, je suis allé voir le mec, je lui ai dit « Bonjour, je le prends avec ma pièce de 50 centimes dans la main, que j'allais poser sur le comptoir. » Et le mec m'a dit « Non, je vous l'offre. » Et je trouve ça vraiment incroyable de dire si vous voulez s'en débarrasser. Donc okay, j'en ai parlé à des gens de la rédac, dont François qui m'a dit qu'il pense que le livre est maudit en fait. Et qu'en fait c'est un peu comme Ring, c'est-à-dire que si jamais je ne donne pas ce livre à quelqu'un dans 7 jours, Nadine de Rothschild sortira de ma télé pour venir me tuer, ce qui serait quand même assez incroyable. Mais peut-être que j'en avais besoin, c'est ça, j'ai pas dû être assez poli. Donc c'est parti pour Nadine de Rothschild. Alors on va commencer, alors il y a plein de sections, peut-être quand même vous pouvez raconter un peu le livre. Je sens que ça va être un stream Nadine de Rothschild et pas du tout un stream Skyrim. Et c'est bien que le coach ait été en retard, parce que comme ça, une heure c'est parfait. Une heure et demie ça aurait peut-être été un peu long. On se lâche de... On peut se lasser de Nadine assez vite. Alors, il y a des... Bon, alors, par exemple, il y a savoir vivre avec sa couturière, savoir vivre avec son avocat, son notaire, des questions qu'on se pose tous les jours. Comment vit-on avec peu d'argent? Ce qui est très bien, parce qu'il faut voir la définition que Nadine de Rothschild donne au fait d'avoir peu d'argent. Savoir parler, éviter l'argot et les grossièretés, la pagination d'une lettre. Bon, là, c'est des trucs assez classiques et pas forcément inutiles. Il y a aussi savoir être végétarien. Ça, on le lira peut-être pour Isual, ça pourrait être intéressant. Il y en a qui sont absolument incroyables, par exemple comment rompre avec quelqu'un, ça c'est celui-là est pas mal. Il y a savoir vivre avec les immigrés, page 99, celui-là je ne le lirai pas parce que c'est complètement on peut pas lire ça en public. J'ai lu le truc et j'étais terrifié. Mais il y a des trucs inimaginables, il y en a qui sont improbables. Il y a savoir vivre avec un accidenté de la route. Les bonnes manières que vous avez un accidenté de la route chez vous, c'est absolument incroyable. Donc on va, mais il y a des choses qui sont très utiles dans le cadre de Skyrim, parce que par exemple, savoir vivre avec les commerçants, avec les clients. Donc on va peut-être commencer par ça. Page 82, savoir vivre avec les commerçants. On va d'abord faire ça. Mais d'abord, on va trouver un commerce dans Skyrim. Et ensuite. Alors, un manuel scolaire à l'attention des filles entre les deux guerres, ah bah c'est très très bien, ça m'intéresse grave. Ouais, envoie-moi ça par DM. Après, bon, forcément, je pense à Pierre-Louis, donc. Je pense que c'est pas exactement... Quoique, des fois, c'est presque pire que la parodie, mais... Alors, ça, c'est un temple. On verra peut-être... Je sais pas si il y a des choses sur la religion, mais on verra peut-être ça. D'abord, on va trouver un petit commerce. Alors, où est-ce qu'on peut avoir un petit commerce là-dedans? Pam. Commerce. Ça, c'est un commerce. Bienbarb, non, ça c'est une auberge. Après, on est à Riften, c'est pas vraiment une ville où adapté aux bonnes manières à Riften. Hein. Je sais même pas s'il y a des commerces à Riften, c'est tellement pourri comme ville. Qu'est-ce qu'il y a à Riften? En plus, tout est fermé. Manor, Bienbarb, ça c'est le machin. Ah, Pawnprane, ça doit être un. Pawnprane, ça doit être un.
un antiquaire, on va aller voir ça. Ça, c'est quoi? Voilà. Ah, pardon, vous voyez pas ce qui rime. Désolé, j'ai toujours mis la caméra sur moi. Je suis absolument désolé. Voilà, là, c'est bon. Je sais pas pourquoi, j'étais pas l'habitude de démarrer une caméra de tiers, donc là, vous voyez ce qui rime. Ça serait très bien de faire un stream narratif comme ça. Ouais. Hop. Alors, allons-y. Nous sommes donc dans un commerce. Et après, il n'y avait que dalle à non? Allons-y pour... Le son a baissé, je vais vous monter le son. Hop, 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 on va monter le son tout de suite. Ouais, vous allez avoir un meilleur son. Peut-être même le monter dans le jeu, ce sera plus pratique, tiens. Hop, on va mettre le son à 10%, comme dirait le coach. Audio... Ah bah non, le master est à fond. Bah écoutez, il faut que je le monte dans... Bah non, je suis à fond là. Ah non, je suis pas à fond, je vais le monter dans le... Voilà, ça vous aura la belle musique. C'est parti. Donc, le stream en audio description serait vraiment très bien. Alors, on va peut-être faire un stream. Je ne peux pas encore vous l'annoncer parce que c'est pas confirmé. Il y a de grandes chances que demain, on est samedi, c'est ça, que demain soir, on fasse un stream en audio description qui sera super bien. Mais je vous raconte ça. Alors, allons-y. Là, vous m'entendez pas. Mais non, vous m'entendez. Mais si. Hop. Là, vous m'entendez. Alors, allons-y pour les commerçants. Comment vit-on avec un commerçant, page 82. C'est incroyablement long. Et le pire, c'est que j'en ai lu les trois quarts. C'est tellement prenant. Je ne sais pas comment on peut. C'est vraiment, vraiment génial. Alors. Le client. Le client doit comprendre qu'un commerçant n'a pas quatre bras et que la première politesse est d'attendre son tour pour être servi. Si le poisson de la grande marée n'est pas frais, il est inutile de claironner. Dites donc, elle ne sent pas bon votre dorade. En fait, elle vit dans un album d'Astérix. Allez voir ailleurs. En revanche, si votre marchand des quatre saisons vous a vendu des pêches succulentes, dites-le lui, il en sera content et vous traitera encore mieux. Donc, on va commencer comme ça. On va d'abord aller voir ce que ce commerçant a à vendre. Alors, on a bien fait la queue, de toute façon, on était seul dans le magasin. C'est un problème qui se pose pas trop dans Skyrim. On va donc... Alors, par exemple, « Your shop has a most unusual name », ça peut être considéré comme malpoli. Donc, on ne va pas le dire. Par contre, on va lui demander ce qu'il a à vendre. C'est du negging. On va pas faire du negging avec les commerçants. Alors, qu'est-ce qu'il a à vendre? Après, il n'y a rien de très intéressant. Dwarven Arrow, ouais, bon, il n'a pas grand-chose. Il n'y a rien de très intéressant pour nous. C'est unique, elle est moche, mais on ne le dira pas. On va lui vendre, par contre, nous, nos trucs, parce qu'on avait quand même assez accumulé quand même pas mal de merde. Alors, tiens, on va vendre ça. Hop, on va vendre tout ce qui est lourd, en fait. Alors, hop, voilà. Bon, on va faire comme on habitue, on va écouler tout. Après, vu qu'on lui a rien acheté, la question se pose pas trop. Par contre, autre... Ah, les livres de sort, ça vaut du pognon, ça. Hop. Misk, il y a quoi? Une améthyste, ça vaut plein de sous, ça. Ah, non, il a pas assez d'argent. Il n'y a que 41 d'argent, ça vaut 47. Donc, on ne va pas la lui vendre. Mais ça nous amène à une autre question. Qui est qu'il a plus que 41 pièces d'or, alors que nous en avons 14 000. Ah, vous ne voyez pas, il y a ma tête devant. Enfin bref, croyez-moi, il a 41 pièces d'or. Ça signifie donc que cette personne est démunie, en tout cas par rapport à nous. Donc, nous allons voir comment le traiter maintenant qu'il a peu d'argent. Déjà, on a pu choisir la bonne réplique. Donc, Nadine de Rochu nous a permis un meilleur roleplay. Comment vit-on avec peu d'argent? Toujours page 89. Ah non, c'était 92 tout à l'heure. Tout est page 89, ça serait très bizarre. Comment vit-on avec peu d'argent? La réponse de Nadine de Rothschild, dont voici la photo. Prenez bien le temps de regarder la photo de Nadine de Rothschild. Ah, mais là, je vais remettre le plein écran, on va pas s'en tirer. Elle est bien la photo de Nadine de Rothschild, voilà. Donc, comment vit-on avec peu d'argent? Mal, très mal, nous dit Nadine. Y a-t-il un savoir-vivre quand on est vraiment démuni? Non, il y a un savoir-survivre. Et seul l'abbé Pierre, qui a choisi d'aider les plus pauvres parmi les pauvres, peut en parler. La charité consiste à donner aux autres les moyens de vivre par leur propre travail et dans des conditions conformes à la dignité humaine. Plus grande est votre fortune, plus grande est votre responsabilité envers ceux qui n'ont rien. Très bien dit, Nadine. Et nous allons le faire immédiatement, passer de la parole aux actes. Noblesse oblige, Chitipix, exactement. Du coup, nous allons, eh bien, ces améthystes, qui sont d'une valeur totale de 287 pièces d'or,
nous allons les donner à ce commerçant, les vendre pour seulement 41 pièces d'or, sachant qu'il les revendra derrière. Car nous sommes extrêmement riches et personne n'est démuni. Noblesse oblige, nous devons l'aider. Et voilà, tiens, par exemple, cette assiette, héritage de famille, nous allons également la lui donner. Si avec ça, nous ne sommes pas fait un ami, je ne sais pas quoi faire. Que va-t-il nous dire ? All right then. Bon, il n'a pas été très poli. Alors, comment réagir quand quelqu'un n'est pas poli avec nous ? Est-ce qu'il y a un truc là-dessus ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Je vais faire une politesse. Est-ce qu'il y a un truc ? Comment réagir quand quelqu'un... L'art de la conversation, les grossesses, savoir parler, savoir mentir, la flatterie, la familiarité, savoir ne pas trop parler de soi, savoir vieillir, savoir mentir. Il n'y a pas de réponse pour savoir comment se comporter quand on s'est mal comporté avec nous. Bon, on va regarder quand même comment... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Une rupture. Non, il n'y a pas grand-chose. Je suis un peu déçu. On va peut-être regarder ce que l'on dit, ce que l'on ne dit pas. Parce que là, par exemple, il est évident que cette personne a dit ce qu'elle ne devait pas dire. Qu'est-ce que Nadine nous dit qu'on doit dire ou taire ? Ah oui, non, d'accord, c'est juste pour les bonnes formules et les mauvaises formules. Par exemple, ne dites pas un autoroute, dites une autoroute. Ne dites pas malgré que, dites bien que, etc. C'est pas très intéressant. Surtout que là, le jeu est en anglais. Écoutez. Dans le doute, bah écoutez, ouais, on va le laisser. On va laisser ce pauvre homme à son sort. Et on va aller faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On pourrait aller... Alors, on peut-être aller... Qu'est-ce qu'on avait déjà comme quête ? On va partir de là, peut-être, c'est important. On a des gens à tuer. Alors, je sais pas s'il y a les bonnes manières de l'assassinat dans les livres de Nadine de Rothschild. Ah, il y a des gens qui disent en autoroute, hein, ce qu'a dit Haït. Alors, on ne roleplay pas Nadine de Rothschild, même si ce serait très très drôle. Remarquez, alors, je ne sais pas si on ressemble vraiment à Nadine de Rothschild. Ah non, bah non, c'est vrai qu'on avait le masque super creepy. Normalement, on est un chat. C'est très bizarre avec le masque et la queue. Le masque et la queue, ça ferait une très étrange émission de France Inter. Ah, on vient de nous parler. Ah, alors, on s'est agressé par un mendiant. Alors, on n'a pas gagné d'argent honnêtement. Alors là, on peut le dire, mon argent ne vous regarde pas. Ou... Comment est-ce que tu peux le savoir ? Est-ce que ça, Nadine de Rothschild nous dit comment répondre à cela ? Par exemple, comment vit-on ? Vivre avec beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'argent, nous avons 14 000 pièces d'or, je crois. Comment est-ce qu'on doit parler de sa fortune aux autres ? Eh bien, ça, nous allons le regarder, page 87. Vivre avec beaucoup d'argent. Durant des générations, l'argent en France a été un sujet tabou. À la table familiale, jamais on ne prononçait ce mot. Dans la bouche d'une aristocrate, il aurait été une grossièreté. De la part d'une bourgeoise, fort inconvenant. On faisait simplement comme s'il n'existait pas. Aujourd'hui, l'argent est roi. L'argent est l'arme absolue. On l'honore, on est prêt à bien des compromissions pour l'obtenir. On est passé d'un excès de réprobation à un excès d'honneur. Comment vit-on avec beaucoup d'argent ? Bien, même très bien. Mais comment, elle est lucide, mais comment se comporte-t-on devant l'argent ? Voilà la vraie question. Ceux qui sont riches depuis des décennies ne font pas étalage de leur fortune. Ils dépensent moins qu'ils le pourraient, discrètement, soucieux de conserver, d'enrichir et de transmettre le patrimoine qu'ils ont reçu. Les nouveaux riches, en revanche, vivent souvent dans un luxe ostentatoire. Attends, tais-toi, je lis. Tapageurs insolents. À tout moment, ils ont envie de faire sonner leur bel argent, de faire savoir que leurs coffres sont pleins. Aucun signe extérieur de richesse ne semble superflu ni excessif. Bon, là, elle raconte sa vie. Cet été, au cours d'un petit dîner à Cannes, la femme d'un grand promoteur immobilier arriva couverte d'émeraudes, nanana. Voilà. Alors... Il n'est pas interdit ni répréhensible de gagner et de dépenser beaucoup d'argent à condition de respecter certaines règles de savoir-vivre, c'est-à-dire la discrétion et le discernement. On ne dilapide pas ses biens, on ne dépense pas à tort et à travers, on ne claque pas des fortunes. Le sens du patrimoine, on fait fructifier l'argent, et le sens du mécénat. Je m'interroge, mes propos relèvent peut-être du bon sens, mais d'un bon sens étroit qui est le mien, peut-être pas le vôtre. Oui, je n'éprouve aucune attirance envers les flambeurs, envers ceux qui perdent ou jouent des fortunes. En revanche, j'admire les artistes qui dépensent, distribuent ce qu'ils ont dans leur poche, insoucieux du lendemain. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut faire preuve de discrétion et de discernement concernant sa fortune. Nous allons donc faire cela. Mais pourquoi il ne parle plus ? Ah, il veut que je gagne de l'argent. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire ? J'ai un peu eu l'occasion de lui dire que mon argent de la fortune ne le regardait pas. Ah, il me demande de voler quelque chose.
I want you to place it in Branche's pocket. There's someone that... Mais alors, je sais pas, est-ce qu'on peut... je pense pas qu'il joue sur le vol, sur la ligne de Rothschild. Est-ce qu'on peut voler est-ce qu'on peut vivre avec l'argent d'un autre? Est-ce qu'on peut... Non, on n'a pas ça, hein. Savoir mentir. Savoir mentir, ça s'en approche un peu, hein. On va peut-être regarder ça. Savoir mentir, page 201. Ça reste malhonnête. Oh, c'est très long. Ah, c'est très très long, ça. Oh, putain. Alors, je vais quand même vous le lire. L'honnête homme à Paris ment 10 fois par jour. L'honnête femme, 20 fois par jour. L'homme du monde, 100 fois par jour. On n'a jamais pu compter combien de fois par jour ment une femme du monde. Voilà ce qu'écrivait à la fin du siècle dernier l'intelligent monsieur Hippolyte Taine. On ne pourrait pas vivre en société, ni même à deux, sans mentir. Cela, chacun de nous le sait. Mais à vrai dire, pourquoi ment-on? Parce qu'à dire vrai, on fait mal aux autres et on se fait mal voir. On ment pour ne pas déplaire. Allez donc dire à votre amie que la robe dont elle semble si fière la ridiculise. Allez donc le lui dire. On ment aussi pour se protéger, pour protéger l'autre et éviter un inutile conflit. Imaginons que votre mari soit jaloux de votre cousin Paul et qu'il se montre désagréable en sa présence. Vous décidez de le voir en tête à tête et de n'en dire rien à votre mari. C'est un mensonge par omission, le plus gentil, le plus généreux des mensonges. Car enfin, si vous avez caché à votre mari votre déjeuner avec Paul, c'est parce qu'il souffre d'allergie. En lui parlant, vous lui auriez déclenché une crise, et vous l'aimez trop pour le voir souffrir. On ment par vanité, c'est le mensonge le plus courant. On se flatte d'un succès qu'on n'a pas eu, on rapporte un compliment qu'on n'a pas reçu, on enfle son bien, le prix de sa voiture ou de sa robe, pour un supplément de considération. Ah ouais, alors... Ouais, mais là, bon, c'est, ça concerne pas vraiment le mensonge. Alors on peut considérer que oui, on peut pas vivre en société sans mentir, on ment pour se protéger, pour éviter un conflit. Ouais, mais là, c'est quand même ça, un peu au-delà du vol, ouais... Bah, correspond pas exactement. Il y a rien sur le vol, hein. C'est savoir emprunter, page 208. Voilà ce qui justifiera notre vol. Ah, on est mal barré. Savoir emprunter. Il n'y a aucune raison valable d'emprunter. Demander à un parent ou à un ami de vous prêter une robe du soir, sa maison de campagne ou une belle voiture pour le cortège du mariage de votre fille est une solution de facilité contraire au savoir-vivre. Vous sollicitez quelqu'un parce que cela vous arrange et vous épargne des frais. Votre convenance, votre plaisir passent donc avant ceux de l'autre. Entre parents, entre amis, ces choses peuvent exister. Il suffit, pour que tout se passe bien, de ne pas en faire une habitude, de prendre certaines précautions et de respecter la loi sacro-sainte de l'échange. Quand vous empruntez quelque chose, vous rendez quelque chose. Ainsi, si vous empruntez une robe, il faudra avant tout, avant de la restituer, la donner au teinturier, même si vous ne l'avez pas tachée. Et vous y joindrez, en la rapportant à la personne qui vous l'a prêtée, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, accompagnant un mot de remerciement. Eh bien voilà ce que nous allons faire. Nous allons voler cette bague, mais nous donnerons à la personne à qui nous l'avons volée des fleurs ou une boîte de chocolat. Allons-y. Allons-y. Il faut voler cette bague, il va distraire la dame, et nous, on va faire sauvegarder quand même. Je sais pas si c'est poli de sauvegarder. Pour moi, c'est une faute de goût, les quicksaves, hein, parce que tu reconfigures le monde à ta convenance. Hop, récupérer cette bague. Nous allons donc emprunter. Non mais arrête. Putain, mais tout est verrouillé. Voilà, nous allons prendre la bague, et uniquement la bague, et nous allons laisser des fleurs. Est-ce qu'on a des fleurs? Non. Si, ça c'est une sorte de fleur. On a des baies. Je sais pas si... Il faut laisser des baies. Ah voilà, Purple Mountain Flower, c'est joli ça. Hop, on laisse une fleur. Ainsi, nous avons volé, mais dans le cadre de la sacro-sainte tradition de l'échange. Une roue de fromage. Franchement, je préfère qu'on m'offre une roue de fromage que des fleurs. Hein. Mais je, là, c'est Nadine de Rothschild qui parle. Il n'y a pas de chocolat dans Skyrim. Enfin, il y a peut-être sûrement des modes pour avoir des chocolats. L'échange équivalent, exactement. C'est un potlatch. Oh, une mendiante. C'est l'occasion de faire une bonne action. Allons voir d'abord ce que va nous dire, pendant que Claude finit de parler, là. Qu'est-ce que nous dit
Denis de Rothschild sur les mendiants. Bah, il y avait celui sur la pauvreté. Ah, il y a un truc sur le pourboire et les gratifications de fin d'année. C'est un peu la même chose. Un peu. Le pourboire. Les gratifications, voilà. Ouais, donc là, c'est vraiment sur le pourboire. Alors, les gratifications. Dès le mois de novembre, les pompiers, les facteurs, les éboueurs, les ramoneurs de votre quartier sonnent à votre porte pour vous proposer leur calendrier du nouvel an. À vous de décider la somme à leur remettre. Elle dépend de vos moyens et des services que chacun d'eux vous a rendus. Quelle que soit l'heure à laquelle sonne le facteur, le pompier ou l'éboueur, recevez-les avec beaucoup d'amabilité et dites-vous bien que ça ne doit être ni agréable ni facile de frapper aux portes pour demander une gratification. Il dépend de vous qu'elles ne prennent pas l'apparence d'une aumône. Alors ça, c'est très important. C'est, en effet, c'est très difficile de demander. Mais si jamais je lui donne là une pièce d'or, ça va être une aumône. Comment faire pour que ça ne prenne pas l'apparence d'une aumône? Est-ce que vous avez une idée pour lui donner quelque chose sans que ça prenne l'apparence d'une aumône? Il y a des potions là. C'est ce qu'on va faire. On va... Ah non, c'est vrai que les pièces d'or ne sont pas des objets. On va lâcher, on va faire... On va poser la chose derrière elle. Sans qu'elle le voie, on va poser derrière. Comme ça, ce ne sera pas une aumône, elle la découvrira. Comme si c'était tombé. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? Ça me coûte cher ce stream. Tiens, on va lui donner une Soul Gem. Non, c'est un peu cher. Ou une. Qu'est-ce qui ferait plaisir? Allez, on va lui donner un Garnet. Hop, drop. On va lâcher un Garnet derrière elle. Genre, ni vu ni connu. Hop là. Pas d'aumône. À aucun moment, elle aura eu l'humiliation de demander de leur donner une pièce. Non, non. Elle aura l'impression que c'est la chance qui l'a favorisée. J'aurais jamais eu l'idée de faire ça sans Nadine de Rothschild. La charité sans vanité, astrologie. Exactement. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai que par contre, sous ma couche, c'est nous qui allons faire la manche d'ici pas très longtemps après ce stream. Mais... Bon, ça en est où d'ailleurs ma mission là, avec ça? Parce que c'est pas tout de Nadine, c'est une belle, c'est très bien, mais... Ah, c'est vrai qu'il faut mettre la bague sur l'autre. C'était quand même ça la mission à la base. Faut arrêter de me rire. Ah mais j'ai été trop lent. Ah bah du coup je faisais le couillon et... Ah non, voilà. Hop. Elle est où la bague? Voilà. Well, I see that my time is up. Come back. You should probably be in bed. Looks like I chose the right person. And here you go. Et voilà. Et voilà, 100 pièces d'or. Bon, ça couvre tout juste le prix de la pierre que j'ai donné à la mendiante, mais... Bien. Bon, en tout cas, on fait plein de bonnes actions. On est en train de... Franchement, vous voyez, on parle souvent du roleplay, du fait qu'on essaie de jouer à gentil dans les jeux de rôle, etc. Mais faire un roleplay, Nadine, ça me rappelle, il y avait des jeux qui avaient fait un roleplay qui s'appelait... c'était Fallout New Vegan. Et donc, il fallait jouer Fallout, mais sans rien utiliser qui soit lié à la production animale. Par exemple, fallait pas porter de vêtements en cuir, fallait pas manger, et c'était vachement dur. Et là, franchement, faire tout Skyrim en suivant les conseils de Nadine de Rothschild, c'est quand même pas facile. Il y a du rapport de vegan, je suis curieux de le lire, alors je ne l'ai pas lu avant, donc c'est peut-être pas très safe, mais... on va regarder... comment vivre son végétarisme, parce qu'il y avait ça, et ça m'étonnerait beaucoup. Je suis très curieux. Voilà, savoir être végétarien, page 185. Zuzu, tu nous regardes. Savoir être végétarien. À Marrakech, à un congrès de banquiers, tous accompagnés de leurs épouses, j'ai rencontré il y a quelques années un très jeune couple népalais d'une grande beauté. On dirait le début d'une sorte de nouvelle chelou du 19e siècle. Ils étaient tous deux de Katmandou. Lui était habillé à l'occidental, elle portait un sari qui soulignait la grâce juvénile de son corps et l'extrême finesse de ses traits. Je devais être attiré par leur charme, car à plusieurs reprises, mais ça, je ne sais pas comment ça va finir comme Doom, au cours des festins qui ponctuèrent ce séjour, je me retrouvais à table, assise à côté d'eux. Je remarquais vite que leurs assiettes étaient toujours presque vides, et que l'un et l'autre ne mangeaient rien. Bouddhistes, ils étaient par conviction religieuse de stricts végétariens. Outre la viande et le poisson, ils excluaient de leur alimentation les œufs. Et ils ne pouvaient même pas manger les légumes qui avaient été cuits avec de la chair ou de la graisse animale. Or, les buffets marocains croulaient sous le poids des couscous impériaux, des dorades royales, des farandoles de tagine, des montagnes de gâteaux.
mais pas un seul légume cru ou cuit à l'eau en vue, à peine quelques radis. Je me proposais de demander pour eux une salade de rhum de tomates ou d'aubergines. Ils se récrièrent, m'assurant que tout était parfait. Leur discrétion, leur modestie, leur volonté de ne pas se faire remarquer m'enchantèrent. Nos végétariens occidentaux ne sont pas tous, hélas, des non-violents. Écoute, Isuel. Ils entendent manifester haut et fort leur réprobation à l'égard des carnivores, qu'ils confondent parfois avec les cannibales. Oui, Isuel fait souvent cette erreur. Comme tous ceux qui mènent un combat, ils tombent vite dans l'excès. C'est tellement bien. Ils deviennent insociables, refusent d'aller dîner dans des restaurants autres que végétariens, comme s'ils étaient des lieux de perdition. Chez eux, leur table est si maigre, si triste avec ses brins d'algues, ses graines de sésame et son soja à toutes les sauces, que leurs amis la fuient. Devenus membres d'une secte, ils en ont épousé tous les travers. Végétariens des pays riches, mangez ce qu'il vous convient, mais laissez-nous manger ce qu'il nous plaît, nous explique Nadine. Je pense qu'on peut dire, sans trop se risquer, que Nadine de Rothschild n'est pas gauchiste. Mais c'est ce qui fait aussi tout le charme du livre. Ce serait chiant, sinon. Bon, très bien. Alors là, on est... Merci, Kamasa, pour ton abo. Ah, comment on remercie quelqu'un qui... Comment remercier ? Parce qu'un abonnement, c'est quelque part un cadeau que vous nous faites. Alors, comment est-ce qu'on remercie ? Savoir remercier. Il doit y avoir quelque chose là-dessus. Ça, c'est très important, parce que ça pourrait servir dans d'autres streams que celui-là. Je crois que ce bouquin ne va plus me quitter. Hein. Je l'aurai toujours dans mon sac. Comment est-ce qu'on remercie ? Remercier. La flatterie, ça c'est important, parce que ça, il y a des gens dans le chat, des fois, il faut savoir répondre à la flatterie. Mais surtout, savoir remercier. Il n'y a pas les remerciements. C'est fou, ça. C'est dingue, ça c'est un truc qui paraît évident quand même. Ça, pour le coup, c'est une vraie question de savoir-vivre. Comment est-ce qu'on remercie quelqu'un ? Savoir recevoir des fleurs, il y a page 276. On va regarder ça, c'est ce qui se rapproche le plus. Savoir recevoir des fleurs. Si vous recevez à déjeuner ou à dîner, prévoyez avant que n'arrivent les convives un ou deux vases, car certains de vos convives pourraient avoir des fleurs à la main. Ça, c'est vachement risqué quand même, parce que si personne n'a de fleurs, tu te retrouves avec deux vases à la con au milieu de ta table. Le savoir-vivre est de ne pas laisser le bouquet attendre à la cuisine. Il faut prendre le temps de le mettre dans l'eau et de l'apporter au salon où vous remercierez de nouveau la personne qui vous l'a offert. Si vous avez reçu des fleurs le matin du jour de votre réception, vous remercierez ceux qui les ont adressées au moment où vous les accueillez chez vous, et leurs bouquets seront en vue dans le salon ou dans l'entrée. Si vous recevez des fleurs le lendemain de votre réception, vous écrirez un mot de remerciement à leurs expéditeurs, vous leur téléphonerez. Petit conseil, si on vous envoie des roses la veille d'un départ en vacances, ne les mettez pas dans l'eau, mais laissez-les sécher plusieurs jours. Mais ça, c'est pas intéressant. Non, on s'en fout d'entretien des fleurs. Non, c'est pas... Ah oui, donc ça, c'est compliqué. Oui, les fleurs, c'est pas un beau cadeau. Il vaut mieux offrir des bonbons, car les fleurs, c'est périssable. Bon, ben, y a rien sur les remerciements. Hein. Ça, c'est fou, quand même. Ça, c'est n'importe quoi. Les remerciements, les présentations, les bonnes manières. Savoir rire et sourire, c'est important, ça. Savoir vieillir, savoir moins, savoir dire la vérité. La flatterie, il n'y a pas. Bon, bah écoutez, je suis désolé. Je continuerai à vous remercier de façon extrêmement peu courtoise. Parce que je n'ai pas eu les conseils de Nadine de Rothschild à ce sujet. C'est vrai, quand on est riche, on ne dit pas merci. On plonge la chose dans le vase. Quoi qu'on vous offre, mettez-le dans un vase. Ayez un très beau vase sur votre table. Quelqu'un arrive en disant « Tiens, au fait, je savais que tu en avais très envie. Bah voilà, je t'ai offert un smartphone. » Et plaf, dans le vase. Oh, merci pour les fleurs, Vegamix. Je vais les mettre immédiatement dans mon vase. qu'est-ce qu'on allait faire ? Parce que c'est pas tout ça, mais là, on est un peu en bois. C'est vrai qu'en ville, il y a plus d'occasions de sociabiliser que en dehors des... Tiens, on va aller ailleurs, on va aller... Où est-ce qu'on pourrait aller ? On va trouver des idées. On va aller sur la carte du monde. Même ailleurs, on trouvera bien des idées. Tiens, le cheval, parce qu'en fait, il y a peut-être un truc sur l'équitation. Il y a peut-être quelque chose sur l'équitation, parce que c'est bien le genre de Nadine de Rothschild d'avoir des poneys et des chevaux. On n'a pas grand-chose. Hein. Ça va vivre avec un malade. Non, il n'y a pas de choses sur les animaux. C'est fou, ça. Non, Nadine ne parle pas
les attaques de dragons. Écoutez, c'est pas grave, on va aller ailleurs, on va faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire bon, qu'est-ce qu'on avait à faire au journal? On avait des gens à tuer, c'est ça? Retourner... Ah oui, c'est vrai qu'on va retourner à Astrid, tiens. C'est vrai... Ah oui, c'est vrai qu'on était allé récupérer le... Hop, hop là. C'est parti. Mais je pense que c'est pas la dernière version, hein. Celui-là, il date de quand? C'est quand, j'ai l'impression? Ah non, alors, c'est le bonheur de séduire. J'avais même pas pensé à regarder la deuxième page. C'est le bonheur de séduire, l'art de réussir. Et pas le bonheur de nuire, comme je le pensais en... Tu l'as, ben les gars? Oh, trop bien. Mais tu l'as acheté vraiment? Enfin, remarque, moi aussi. Enfin non, on me l'a donné du coup, mais... Je voulais l'acheter. Exactement. Pour être un bon végétarien, il faut être très beau et sourire dans son assiette, vide en silence. Alors, Isuel est très beau, mais il parle. C'est vrai qu'et puis, il est... et il dit des trucs genre, ah, le steak, c'est du meurtre. Il dit ça comme ça, il parle, parce qu'il les parle très mal. Il n'a pas lu le guide des bonnes manières d'Annie de Rothschild. Et donc, forcément, il n'est pas, c'est pas un vraiment bon végétarien. Et il n'est pas bouddhiste. Alors, hop. Ah oui, c'est vrai qu'on doit assassiner l'empereur. Ah là, du coup, ça, on va pouvoir regarder les choses sur les mondanités. Alors, voilà la lettre de crédit. Goodbye, Sithis. I hope I'm making the right choice. The sealed letter you delivered to me was mysteriously un... But moving on to business. Ah, c'est vrai qu'on avait lu la lettre. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, on va aller... Ah, on va aller à un mariage. C'est parfait. C'est parfait, parce qu'il y a des choses sur les réceptions et les trucs comme ça, là. Attends, on t'a offert à une réception le livre de Nadine. Ça, tu... C'est comme se faire offrir du déodorant, quoi. Ça veut vraiment dire... D'abord, d'habitude, t'es un gros malpoli. Ça, si, on va t'offrir le bouquin de... C'est horrible. Ok, on va aller tuer. On va aller au mariage. Trop bien. Allez, go, go, go. Ça boum, Mitrérante, exactement. Alors, c'est parti, on va aller assassiner un mariage. C'est cliché, les meurtres dans les mariages, franchement. Après, c'est Skyrim. Ah non, pardon, j'ai dit du mal. Oui, bien sûr que Chino, qu'elle parle des mariages. Bah, forcément. Il y a un truc sur les mariages, il y a les bar mitzvahs, il y a tout. Il y a tout. Curieusement, il n'y a pas l'Aïd. On se demande pourquoi. Alors, pam, 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 pam. Hop là. Solitude. Ah, on n'est pas allé à Solitude encore. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait qu'on ne soit pas allé à Solitude, parce que ça va donner l'occasion de prendre un taxi, parce qu'il y a un truc sur comment bien se comporter avec un chauffeur de taxi. Ah, c'est méga complet. Mais ma vie a changé. J'ai acheté ce truc-là samedi. Les gens ne me reconnaissent plus depuis. C'est, je ne vis plus que par ce livre. C'est devenu ma Bible, quoi. Je ne fais plus rien sans regarder ce que Nadine de Rothschild me conseille. Alors là, nous allons prendre un taxi pour aller à Solitude. Voilà. Alors, mais d'abord, nous allons voir comment s'adresser à un chauffeur de taxi. Oh, c'est un Uber, c'est pareil. Chauffeur de taxi. Savoir vivre avec les chauffeurs de taxi, page 84. Elle a vraiment pensé à tout. Mais non, même pas chez nous, parce que je suis arrivé, et c'est absolument authentique. Je suis allé à la caisse, j'ai dit « Bonjour, je le veux », j'avais une pièce de 50 centimes dans la main, et le type du boulinier de Saint-Michel, si vous voulez savoir où c'était, m'a dit « Non, je vous le donne ». Donc c'est quand même absolument incroyable, quoi. C'est, il voulait, mais moi j'étais prêt à payer, quoi. J'aurais payé 3 euros. Je serais allé jusque-là. Mais non, il a voulu me l'offrir, c'est quand même fou, 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 c'est très très bien. Il me l'a offert, hein. Donc c'est... Vous n'avez même pas à vous abonner à ce stream pour me rembourser mes frais, que les frais que j'ai engagés, parce que j'ai pas fait de note de frais auprès d'Ivan. J'aurais dû, mais... C'est vrai, chez Tipeee, j'ai accepté la charité et je ne lui ai pas offert de fleurs. Ça aurait été tellement bien qu'il je vous l'offre, et moi je dis « Attendez !» Et là, je vais cueillir des fleurs, mais genre un truc dégueulasse dans un parc à côté, à Cluny, là, et je lui les donne, genre des pâquerettes. En fait, il y a moyen de passer pour un débile si on suit les consignes, vraiment. Ah, on parlera d'ailleurs... Non, on va pas le faire. Comment vivre avec les handicapés, parce que celui-là, putain, ça passe mal. Donc, un chauffeur de taxi. Enfermé du matin au soir dans leur minuscule habitacle... Bon, lui, c'est pas vrai, il est en plein air. Les chauffeurs de taxi y ont reçu une bonne partie de l'humanité. Ils ont tout vu, tout entendu. Et certains, tout compris. Franchement, ça ferait une super intro pour une nouvelle fantastique. En un sens, ce sont des philosophes. Et je ne manque jamais, à peine assis dans un taxi... d'entamer la conversation avec le chauffeur. Putain, les pauvres chauffeurs quand une Nadine de Rothschild. Quoi. Il est rare qu'ils ne m'apprennent pas quelque chose. Ces professionnels de la rue jugent mal, et ils ont sans doute raison, ceux de leurs clients qui d'un ton péremptoire leur imposent un itinéraire.
Les chauffeurs qui roulent toute la journée connaissent mieux que personne les flux et reflux de la circulation, et l'itinéraire le plus long est souvent le plus rapide. Ne soupçonnez pas votre chauffeur, directement ou par des sous-entendus appuyés, de vous rouler dans la farine, vous risqueriez de rouler plus longtemps dans les gaz d'échappement. S'il fume, vous pouvez lui demander de baisser sa vitre ou, si vous êtes vraiment gêné par la fumée, d'éteindre sa cigarette. Certains chauffeurs de taxi demandent bien à leurs clients de ne pas fumer. C'est marrant, c'est le même style que le bouquin Doom par moment. Ne vous amusez pas à caresser la tête de son chien. Cette bête n'aime peut-être pas votre familiarité et pourrait avoir un grognement agressif. Du coup, j'imagine une Nadine de Rothschild, mais genre la bourgeoise plus, qui arrive dans un taxi où le mec est en train de clopper avec son clébard qui pue sur la banquette. La scène est très bien. Quant à vous, mesdames et messieurs les chauffeurs de taxi, ne nous imposez pas l'insupportable litanie de votre radio-téléphone. Attendez la fin de votre course pour le rebrancher. À cette réserve près, je vous dis, messieurs, un grand merci. Que ferait-on sans les taxis? Lorsque par les soirs de pluie surgit enfin votre rectangle lumineux, on éprouve le sentiment du marin qui, dans la tempête, aperçoit le phare salvateur. Le fameux radio-téléphone, oui, on voit que ça n'a pas été, c'est une édition qui date un peu. Nous allons donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va aller voir Bjorlan, machin, là. Et on va engager, on va le payer et on va pas questionner son itinéraire. On va aller à Solitude. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On se serait tapé de la traversée des montagnes, à se faire attaquer par des ours et tout. Et on va aller derrière, il n'a pas de chien, il ne fume pas, tout est parfait. Oui, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de sexuel dans quand apparaît enfin la nuit, dans la nuit votre rectangle lumineux. J'arrive pas trop à dire pourquoi, mais il y a un truc pas net. Ou alors c'est que j'ai l'esprit mal placé, mais... Alors, allons-y. Solitude. On va aller à Solitude. Ah, je cours. Est-ce qu'il y a un truc, le fait de courir en public, que c'est mal poli, etc. Parce que peut-être que je fais n'importe quoi, en fait. Non, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose sur le fait de courir. Non. Non, allons-y. C'est pas grave. Alors que Nadine de Rothschild, mais je vous dis encore que Martine Backès, vu qu'elle a écrit... Je continue à faire ma fanfiction dans ma tête sur Martine Backès. Je suis sûr, vu qu'elle a aussi publié pour Bayard, enfin, écrit pour Bayard Press, si c'est la même, que elle a un côté Nadine de Rothschild. C'est quelqu'un d'assez prude qui s'est retrouvé par hasard à devoir traduire cette abomination qu'est le roman Doom, et qu'elle n'est pas destinée à traduire des littératures de guerre à l'origine. Martine Backès, ça fera un très bon nom. Ouais. J'ai toujours pas trouvé, hein, nulle part sur... Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Je ne sais plus... La boutique, c'est vrai qu'il y aura peut-être besoin d'aller acheter des vêtements. Pour commencer, on va voir, avant d'aller au mariage, c'est comment on doit s'apprêter pour aller à un mariage. Oh putain, c'est super long, ça fait... Hein? Ça fait 12 pages, on va pas tout lire. Alors, le mariage. Ah oui, mais il y a tout. À quel âge peut-on se marier? Le contrat de mariage, les faire-part, le carton d'invitation, l'annonce dans les journaux, réponse aux faire-part, les alliances, les cadeaux, le mariage civil. Alors là, c'est un mariage civil ou religieux? Alors, bonne question. C'est un mariage civil ou religieux? Je crois que c'est au temple qu'elle se marie, hein, donc ça va être un mariage religieux. Ouais, elle se marie au temple des divines à Solitude, donc c'est un mariage religieux. Alors, le mariage a lieu tous les jours, sauf le dimanche et le vendredi saint à l'église, et sauf le samedi à la synagogue. Les invités arrivent les premiers, puis les membres de la famille. En principe, la mariée entre la dernière au bras droit de son père, ou de l'un de ses parents si elle est orpheline. Elle regarde droit devant elle, sans saluer personne. Le marié a sa mère à son bras gauche et se place devant l'autel, sur le prie-dieu de droite. Chaque marié a deux ou même trois témoins. Ils prennent place près de l'autel. En général, ce ne sont pas les témoins du mariage civil. Après la bénédiction, le marié retire les alliances de la poche de son gilet et les dépose sur un plateau que lui présente le prêtre. C'est le mari qui passe l'alliance à l'annulaire gauche de sa femme. Elle ne porte aucune bague, même pas sa bague de fiançailles qu'elle ne remettra qu'après la cérémonie. La quête est effectuée par les petites filles et les garçons d'honneur ou les enfants de la famille. La signature du registre a lieu dans la sacristie et dans le chœur. Mais on s'en fout, ça c'est le rituel en fait. Ouais, mais là, ça, je m'en moque. Pour les invités, ils disent rien, la toilette. Ça, c'est pour la mariée.
Le costume bleu marine très foncé, c'est pour les mariés, voilà. Le photographe, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ouais. Est-ce que... Non, il n'y a rien sur les bidets. Mariage religieux, la toilette. Comme ça, il parle de le marié au costume sombre. Ah, tous les invités auront une tenue très élégante, surtout si un déjeuner ou un cocktail est prévu après la cérémonie. Ok, donc il nous faut une tenue élégante. En effet, tu avais raison. Il faut que j'aille à la boutique de vêtements, et ça tombe bien, il y en a une juste ici. Tout à fait raison. En même temps, vous imaginez, c'est vrai que ça pète un peu la mariée astrologie. Après, t'imagines un mariage où la mariée, elle s'arrête et elle serre la main à tous les gens dans le... dans l'allée, ce serait extrêmement drôle, mais... Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est une sorte de peau... Ah non, non, faut pas lui poser. Alors, elle, est très mal polie, mais on a dit qu'il fallait pas être mal poli. Alors, bad day, voilà, on va essayer de tout payer. Bon, on est obligé d'être mal poli. Mais moi, je veux juste acheter un truc. Ah, lui. Enfin, elle. Ah, mais elle veut pas nous vendre des trucs, en fait. Mais c'est affreux, on peut rien acheter. Bon. Merde, il y a quelqu'un. On va pas voler, ça se fait pas. Mais non, mais elle veut... Ah, elle veut même pas aider pour... Mais elle dit qu'elle veut aider pour vendre, mais elle veut pas. Ah, il y a une exécution publique dehors. C'est pour ça qu'elle veut pas vendre des trucs. Ok, elle veut rien vendre. Faut attendre la fin de l'exécution, c'est ça? C'est vrai, je pense qu'on va, on va finir par voler des trucs. Mais non, elle est finie l'exécution, non? Non, oh, des fleurs. Ça, c'est important. Nightshade, en plus, je crois que c'est empoisonné. C'est stuff de la digitale à quelqu'un. Il y a un truc sur le langage des fleurs, d'ailleurs, on regardera ça après. Rien sur moi. Ah oui, là. Bah non, il n'y a rien. C'est ici, normalement, qu'il y avait l'exécution, non? Non, il n'y a rien, il n'y a pas comment se comporter à l'exécution. Mais ouais, bon, on va voler des vêtements, c'est pas grave. J'ai raté l'exécution. Non, c'est pas grave. Est-ce qu'au moins on peut acheter des vêtements maintenant? Non, elle veut rien vendre. Ok, bon, c'est pas grave. Elle veut rien pouvoir voler en plus qu'elle me regarde. Ah non, c'est bon, elle me regarde plus. Alors, on va essayer de voler un truc sans se faire voir. Hop, ni vu ni connu. Pom. Ah merde, j'ai pas laissé de fleurs. Faut que je laisse des fleurs. J'ai emprunté. J'irai le remettre après. Ça sera un emprunt. Mais comme a dit Nadine de Rothschild, quand on emprunte, on peut emprunter, mais il faut laisser des fleurs. Donc je vais laisser des fleurs. Hop. Misc. Fleurs. Je vais laisser un crâne aussi, parce que je sais pas comment faire. Et des fleurs. Qu'est-ce que Nadine de Rothschild dit qu'on a offert un crâne à quelqu'un? Tiens, on va lui laisser des... Nightshade, elles sont jolies. Hop. Voilà. Hop. On laisse. Une fleur empoisonnée et un crâne. Voilà, ça fait... C'est vraiment... On est vraiment dans le langage des fleurs. Il pleut avec des crânes, exactement. Alors. Je vais mettre... Ah, les beaux vêtements, je les ai que par son... Ah, mais c'est ça que j'ai volé? Ah non, ça c'est celle de l'archimage. Collège robe, voilà. Bah, elle est pas mal celle-là, elle est pas très belle, non, voilà, on va attendre. Ok, bon, on va attendre. On va attendre le matin. Je pense que Nadine ne serait pas d'accord pour qu'on dorme dehors. Hein. Mais bon. Ça, c'était cool quand même, le fait d'avoir un rendu par heure où on voyait le soleil qui bougeait, c'est une bonne idée. C'est vrai que la tenue d'archimage... Alors oui, c'est vrai, en effet, t'as tout à fait raison, Fluco Citron. La tenue d'archimage, c'est comme les officiers qui viennent en uniforme au mariage. Et en effet, Nadine de Rothschild ne précise dans le mariage, page 292, elle dit... c'est vrai qu'on pourrait faire ça.
Le mariage religieux. Je l'avais vu tout à l'heure. Voilà. Les polytechniciens, les militaires, les préfets, les académiciens se marient en uniforme et portent leurs décorations. Donc, en effet, c'est. Franchement, un RPG, bah, faire un truc avec Twine serait très drôle à faire. Donc, ok, donc ça, c'est important. Donc, c'est vrai que techniquement, on peut y aller en robe d'archivage, ce ne sera pas une faute, ce sera pas un impair. Par contre, ce qui peut être un impair, c'est l'action des cadeaux. Donc, les cadeaux, on peut les envoyer durant la période des fiançailles, ou après. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas les donner pendant la cérémonie, ça ne le fait pas. Les appareils électroménagers ne peuvent être offerts que par les intimes. Cette phrase est extrêmement bizarre. Après, c'est vrai que quelqu'un que tu ne connais pas du tout et qui t'offre un micro-ondes, c'est un peu bizarre. Mais c'est quand même curieux, quoi. Il est parfaitement incorrect d'apporter son cadeau le jour de la cérémonie. Ah oui, donc ça, je le ferai pas. Donc, il faut que j'apporte mon cadeau à un autre... Bah, comment je vais faire? Faudra que j'envoie après. Faudra que j'envoie le cadeau après, ouais. Bon. Ah, petite anecdote rigolote de Marine de Rothschild, de Nadine de Rothschild. De grands bourgeois parisiens offrirent à leur fille, à l'occasion de son mariage, une superbe argenterie 18e siècle signée Germain. Conviés à dîner chez le jeune couple, ils remarquèrent, bien en vue sur la cheminée, un nouvel objet. Par politesse, ils demandèrent de qui était cette création. « C'est une compression, » répondit triomphalement le gendre, « et c'est à vous que nous la devons. De votre simple argenterie, de ce tas de cuillères, César a su faire une grande œuvre d'art. » Ah, ça c'est le genre d'anecdote qui nous arrive à tous. Quand on s'offrir un cadeau de l'argenterie du 18e siècle et pas de bol, on la donne à César qui en fait une compression. C'est le genre de choses qui peut arriver. Alors, donc nous allons aller à au temple. Il est où le temple? C'est là. Bah, je suis con, il y a un marqueur. Donc, je suis en tenue d'apparat, je n'ai pas apporté mon cadeau le jour de la cérémonie. Mais il est où le temple? Ah, ça doit être là. Oui, César, mais César, faut savoir que César, partout où il passait, il compressait les trucs. Hein. Le mec, il était là, il écrasait les choses, il avait des mains énormes, il broyait tout pour en faire des cubes, c'était assez terrifiant. Ça ferait un super monstre. Ah, bah, c'est là. D'accord, ça c'est le mariage. Putain, moi j'arrive comme un gros malpoli. Ça va être compliqué d'assassiner. Hein. Attends. Ah, mais ils sont là, d'accord, c'est eux. D'accord, donc ça, c'est la mariée, c'est le marié. Comment est-ce qu'on peut... Je me suis pas changé. Non, j'ai gardé ma robe d'apparat parce que Nadine Rothschild a dit que quand on était académicien ou militaire ou gradé de quelconque façon, on pouvait venir en uniforme aux cérémonies, dans les cérémonies de mariage. Et là, vu qu'en l'occurrence, je suis à Archimage de Skyrim, rappelons-le, tout de même. Et d'ailleurs, techniquement, vous devez m'appeler Monsieur d'Archimage dans le chat. Donc, je suis venu en tenue d'Archimage, qui est tout à fait conforme au protocole. Salut, secteur. Donc, du coup, comment on va pouvoir assassiner cette dame sans se faire remarquer? Ah, si, je sais ce que je vais faire. Il faudrait que je lance Rage. Skill. Non, c'est pas skill, c'est... Putain, je suis tellement dans mon bouquin que j'ai oublié comment on joue. Magic, illusion, Fury. Il y a des gens... Où est-ce que je peux... Il y a un garde, c'est bien ça. Comment est-ce que je vais pouvoir l'assassiner? Merci plus pixel. Ah, il y a une gargouille détachable. Ah oui, il y a une gargouille là. Ah, peut-être qu'on peut faire ça en effet. Hein, on va faire ça à la Hitman. Ah, mais c'est scripté, c'est nul. C'est pas du gameplay émergent. Mais attends, ils sont où? Ah oui, d'accord, c'est là. Elle est là. Ah oui, push, douce gargouille. Ok. Sunday
Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bah, pourquoi je vais pas la pousser? Tout le monde est venu voir la gargouille, du coup? Ah non, merde, je l'ai tué trop tard! Ok, merde. Ah, le sort furie, c'est plus rigolo. Un peu tôt, d'accord. Attends, je savais pas qu'ils allaient monter. D'accord, ils viennent ici. Et là, je fais hop. Ah oui, ça a marché. Mais... Ah, ils m'ont vu faire. Ok. Ok, on va faire ça plus petit. Mais la furie, c'est quand même plus rigolo. Ah voilà, là, personne ne me voit. Est-ce qu'il m'a vu? Mais pourquoi il m'attaque? J'ai rien fait. Mais c'est nul. Faut le faire d'en haut. Ah, faut le faire d'en haut. Alors attends, comment on monte? Qu'est-ce que ferait... What would Nadine do? Ça ferait un très bon bracelet. Là, je redescends si je fais ça. Bah ouais. Comment on peut monter le truc en haut là? Non mais attention, ce que je peux faire c'est... Ah mais il y a une autre porte. Alors attendez. Il y a cette porte là. Ah oui, on peut peut-être monter par là. On arrive là. Oh. Sinon, je suis marié aussi. Hein. Ah, voilà, ok. On va y arriver. Oui, le sous-titrage des la-la-la, c'est très très bien. Est-ce qu'on peut ressortir de l'autre côté, là? Non, pas sortir de l'autre côté. Bonsoir, on va essayer de passer par l'extérieur. T'as l'assassinat pourri, quoi. Le problème, c'est que si j'en suis furie comme ça, il va me voir. Elle est là, la gargouille. On peut aller là. Ça va très mal se passer. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, oui, c'est bon. Merde, je suis coincé. Ah, merde, je suis coincé dans le décor. Ah bah super, bravo Skyrim. Ok. Là, 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 exactement, Corentin. Tiens, Corentin, salut. Comment vas-tu? Un mur en scénarium, tu crois? Ah, c'est possible, ouais. Oh, c'est chiant, ça. Ouais, c'est... Ouais, je pense qu'il y a un mur invisible. Oh, les relous. Bon, ben, pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire ça avec Fury. En plus, elle s'est barrée, l'autre, là. T'as le pire assassin du monde, quoi. Avec ça, pendant ce temps, on suit pas les conseils de Nadine, parce qu'on est quand même là, à l'origine, pour conseils de Nadine, quoi. Ouais, c'est un open world... Non, c'est Dididam maintenant, Birut, c'est plus là là là, tu n'es plus du tout dans le coup. Il est redescendu? Non, c'est bon, il reste en haut? Ouais, c'est bon, il est resté en haut. Alors attends. Ah si, peut-être par là. C'est vrai que Nadine est due en assassinat, c'est vrai, c'est vrai. Bah non, on arrive là. Quel enfer ce truc. Et on peut même pas lancer un sort pour faire tomber la ou une flèche pour faire tomber la gargouille de loin. Oh, qu'est-ce que c'est relou. Parce que là, pourtant, on peut dire qu'on peut sortir. Ah bah si, par là, putain, mais je suis débile. Ah. Bon, non, apparemment, les gens me voient, mais bon, personne n'a rien à foutre de toute façon. Elle est morte ou pas? Non, j'ai pas eu le bounty. Ah bah non, pff, elle était partie. Ah d'accord, ils arrêtent pas de faire des allers-retours. Bon, on va attendre qu'elle remonte alors. Alors. Elle est où la dame? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ça y est, elle bouge. Elle va monter. Là, ça c'est pas discret du tout, quoi. Montez, madame, maintenant. Ils sont où?
Ah voilà, les voilà. Ils vont refaire coucou à la foule. Merde, elle a pas avancé assez. Si, allez, pousse là, vas-y. Ok, c'est bon. Hop. Non, ils m'ont vu. On est sur du baboum boum là, oui, Damien. Alors attendez. Pourquoi il me voit là? Ah voilà, là on me voit pas. Bah si, là il me voit. Ah non, c'est bon. Ah, voilà, voilà un assassinat merveilleux. Et très 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 réussi. Bah elle a pas été murdered, c'est un accident. Ah, et personne ne m'a vu. Vas-y, ils m'ont vu. Quoi, ils ont... Ah non, ça y est, tout le monde se bat. Ah, j'ai rien fait, moi. Ok, bon, moi, je me casse. Mais pourquoi on m'attaque? Quoi? Mais, j'avais rien fait. Exactement. C'est l'argonien qui trinque. C'est toujours les argoniens qui trinquent dans Skyrim. Bon, là, ça va, j'ai pas eu de bounty ni rien, donc c'est bon, hein. Faut arrêter les conneries aussi. Hein. Alors, bon, par contre, je vais partir d'ici, moi. Je vais partir par l'autre côté. Et après, on regardera ce qu'on nous dit. On regardera ce qu'on nous demande d'Indine de Rothschild dans ce genre de situation. Je pourrais vous lire le passage de comment bien se comporter avec les étrangers à propos des Argoniens, mais c'est... C'est pas possible, je peux pas lire ça dans un stream. Je comprends même pas que ce bouquin ait pu être publié, en fait. Enfin, c'est, en même temps, c'est dit avec une telle candeur qu'on sent qu'elle est, c'est pas méchant, quoi. Y a pas de mauvaise intention derrière, mais tout de même. Bon, alors, ma mission a été accomplie. Alors, faut que j'aille rendre la robe que j'avais empruntée. Parce que même si je l'avais pas mise, je l'ai empruntée. Et Nadine de Rothschild nous a dit que quand on avait emprunté, même si j'ai donné des fleurs, il faut quand même rendre ce que j'ai emprunté. Elle est où là? C'était là, c'était derrière. Le bouquin? Non, 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 il date des années 90. Alors, hop, on va les rendre ce qu'on avait emprunté. Alors, on va rendre le petit... Ah, Isual, tu es là. Alors, si tu es là, Isual... Est-ce que tu veux qu'on te relise le passage de Nadine de Rothschild? Parce qu'en fait, il faut savoir pour celles et ceux qui viennent de débarquer qu'on joue à Skyrim en suivant les conseils de Nadine de Rothschild. C'est pour ça qu'on a, ben, on a été très poli avec les marchands. On n'a pas hésité à donner à ceux qui étaient nécessiteux. On va faire attention à l'argent aussi. Isual le cannibale, exactement Isual. Parce que peut-être que tu ne sais pas Isual, mais je ne vais pas tout le relire parce que c'est un peu long. Mais ça va être important de te lire cette question qui est souvent sans doute posée, c'est savoir être végétarien. Voilà, savoir être végétarien, page 185. Très important. Alors, je vais pas tout lire, mais je vais te dire juste la conclusion, qui est très très bien. Donc, elle raconte qu'elle a rencontré un couple de bouddhistes végétariens qui venaient du Népal, et qui était très poli et très beau. Et voilà comment elle conclut. Alors voilà, parce qu'en fait, je te lis la fin. Je proposais de demander... Ils veulent pas manger leur plat comme il y a de la viande. Je proposais de demander pour eux une salade de tomates ou d'aubergines. Ils se récrièrent, m'assurant que tout était parfait. Leur discrétion, leur modestie, leur volonté de ne pas se faire remarquer m'enchantèrent. Nos végétariens occidentaux ne sont pas tous, hélas, des non-violents. Écoute bien, Isual. Ils entendent manifester haut et fort leur réprobation à l'égard des carnivores qu'ils confondent parfois avec les cannibales. Et oui, comme toi, tu nous appelles souvent des cannibales. Comme tous ceux qui mènent un combat, et ça c'est très important je pense politiquement comme message, comme tous ceux qui mènent un combat, ils tombent vite dans l'excès, ils deviennent insociables, refusent d'aller dîner dans des restaurants autres que végétariens comme s'ils étaient des lieux de perdition. Chez eux, leur table est si maigre, si triste, avec ses brins d'algues et ses graines de sésame et son soja à toutes les sauces, que leurs amis la fuient. Devenus membres d'une secte, ils en ont épousé tous les travers. Végétariens des pays riches, mangez ce qu'il vous convient, mais laissez-nous manger ce qu'il nous plaît. Voilà, Isual. Tu as une vie triste et tu manges du soja à toutes les sauces.
tout en confondant les gens, les carnivores avec les cannibales. Donc, moi j'avais laissé une petite fleur, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai laissé une fleur là, c'est parce que Nadine de Rothschild nous a dit qu'on pouvait emprunter des choses, même si c'était pas poli, mais que dans ces cas-là, il fallait laisser quelque chose en échange, par exemple des fleurs. Donc maintenant, je vais rendre le vêtement que j'ai emprunté pour le mariage, parce qu'on avait pris un vêtement pour le mariage, parce que Nadine de Rothschild nous a expliqué comment aller à un mariage, et là, même si on y allait pour assassiner la fiancée, enfin la mariée en l'occurrence, on était quand même à un mariage, donc il fallait s'habiller comme il faut. On va donc maintenant pouvoir... Ah, c'est presque documentaire comme bouquin, on s'y croirait, hein, visuel. On a également demandé à Nadine de Rothschild comment se comporter avec les chauffeurs de taxi, donc notamment le mec dans la carriole qui nous a amené jusque-là. Où est-ce qu'on pourrait aller maintenant? Ben, on va retourner à la mission. À la mission, enfin... La mission, on dirait qu'on va chez les... Chez Emmaüs. Non, on va pas aller à la mission, on va aller à la... Enfin, au sanctuaire de la Dark Brotherhood pour valider la quête. Les chances de survie de Nadine en dehors de son milieu sont assez faibles. Ça ferait un très bon jeu. Hein. T'es Nadine de Rothschild, t'es lâchée dans le monde réel, et tu dois survivre en... Ah, par contre, il y avait une question. Elle nous avait accusé, je sais pas si vous vous souvenez, d'avoir ouvert le courrier... de la Dark Brotherhood, parce que là on va devoir assassiner l'empereur, et c'est vrai qu'on avait ouvert le courrier qu'on devait lui remettre à notre supérieur, ce qui est très mal poli. On n'ouvre pas le courrier destiné à quelqu'un d'autre. Alors justement, je voulais voir si Nadine de Rothschild a un truc là-dessus. Elle a un passage sur lettre remise à un tiers, page 144. Donc je pense que Nadine de Rothschild va nous dire qu'on a fait un énorme impair. Nadine de Rothschild. Alors, si vous chargez l'un de vos proches de remettre ou de poster lui-même la lettre que vous destinez à quelqu'un d'autre, donc c'est ça. La politesse exige que vous la lui remettiez ouverte et que lui colle l'enveloppe devant vous. Ah ben non, alors c'est pas ce qu'a fait la personne. La personne n'a pas fait ça, nous a donné la lettre déjà fermée et cachetée. Donc c'est elle qui, en l'occurrence, a fait preuve d'un manque de savoir-vivre. On aurait dû répondre ça à la Dark Brotherhood. Voilà. Alors si vous voulez ouvrir un courrier sans que ça se voit, utilisez de la vapeur, par exemple. C'est un bon savoir. Alors, c'est vrai que je devrais plutôt dans le camp des impériaux en suivant les conseils de Nadine, Vega, tu as raison. Donc, on va pouvoir répondre à, comment elle s'appelle déjà, à Astrid, que... alors, on va pas dire qu'elle a saigné comme un cochon, ça ne se fait pas. Tiens, d'ailleurs, il y a des conseils de Nadine de Rothschild, croyez-le ou non, sur la fin de vie. Alors, on va voir les conseils de Nadine de Rothschild sur la fin de vie. La fin de la vie, page 304. Alors, est-ce qu'il y a des questions... Comment on doit se comporter quand on a assassiné quelqu'un? Les formalités, les condoléances, les obsèques, les fleurs, l'incinération, les sorties. Plus bien connu, remerciements, condoléances, non. L'incinération, elle ne dit pas comment on doit. Il n'y a pas rien sur la façon dont on doit parler de la personne qui est morte. Hein. Non. Donc malheureusement, on n'aura pas de choses sur. Non. On n'a rien sur la façon dont on doit se comporter. Non. Écoutez, je suis désolé. On n'a pas de grand-chose d'intéressant. On apprend par contre qu'un deuil n'interrompt pas une vie professionnelle ou sportive. La vie reprend son cours, mais on s'abstient durant quelques semaines de toute vie mondaine. Donc on va peut-être essayer de ne pas aller à des cérémonies. On va être poli. On va rester silencieux. Je pense que c'est ce que Nadine aurait fait après une mort. On va parler à Gabriella. Allez où, Gabriella? Ah, il y avait la question, parce que je me posais la question, parce qu'on va avoir, on va devoir manger. Souvent, on mange. Et ça, vous savez, il y a le problème dans Skyrim, c'est ça. C'est quand on avale 50 kilos de poulet et de fromage entre deux coups d'épée. Et ça, je pense que Nadine ne serait pas d'accord. Donc, on va regarder ce que nous dit Nadine là-dessus. Dans comment manger. Savoir manger. Savoir manger, page 250. Alors, savoir manger, important. Le pain, on touche le pain qu'une fois le potage terminé, au moment de l'entrée, on n'y goûte pas en s'asseyant à table. Le pain se rompt, il ne se coupe pas, ne se pose jamais sur le rebord de son assiette, mais sur la nappe si on ne dispose pas d'une petite assiette à pain. Donc, on ne se pose jamais son assiette. Ok, donc en tout cas, on ne touche pas le pain qu'à la fin. C'est bon à savoir. On essaiera de faire ça la prochaine fois qu'on bouffera pendant un combat. On mangera le pain. Oui, c'est vrai que savoir manger, c'est une bonne partie du bouquin, Denis. Elle pense qu'à bouffer, Nadine. C'est une poubelle de table, on peut le dire. Le service, les plats sont présentés de droite à gauche, mais il ne pose pas la question de... il n'y a pas la question du grignotage. Bon, c'est vrai qu'après, je vois mal Nadine de Rothschild taper dans des chips comme ça. C'est pas trop le genre. On ne sauce jamais l'assiette. Ah bah non, on ne sauce jamais. Ah non, on ne sauce jamais l'assiette. Quand... Alors ça, c'est Stratus, évidemment, on ne sauce pas. Si jamais tu es dans un truc mondain et que tu as la sauce au fond de ton assiette, tu ne sauces pas. Tu prends l'assiette et tu la lèches comme ça. Très important.
Ou alors tu trempes ta serviette en tissu, tu la laisses s'imbiber par capillarité, et après tu l'essores comme ça dans ta bouche. C'est comme ça qu'on fait dans les milieux vraiment chics. Franchement, ça donne envie de faire un stream où je mangerais des chips avec une fourchette et un couteau. Vraiment, c'est... Putain, je vais finir youtubeur, Nadine de Rothschild. Alors. Gabriella, alors c'est quoi mon contrat? Gna gna gna. Je dois... comment donc? Tuer un commandant, gna gna gna. On doit tuer le fils du commandant. D'accord. Et mettre des fausses évidences, enfin des fausses preuves sur lui. Ok. Ok, bah allons-y. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, le stream où je mange la soupe avec ma serviette, non, parce que je tiens pas à faire un stream où je vomis. Il y a un autre tribunal du bureau qui mange ses chips avec des baguettes, mais franchement, alors avec les baguettes, c'est pas con. Parce que c'est vrai que c'est surtout quand tu bouffes des chips. Alors, bon, évidemment, ne faites pas ça, ne grignotez pas, c'est pas bien. C'est pas bien de grignoter. C'est un signe de. Un manque de discipline, comme dirait Agbou. Mais si vous grignotez, grignotez avec des baguettes, c'est pas con parce que avec une fourchette, c'est pas terrible. Mais parce que ça évite d'avoir les doigts pleins de graisse et de trucs, et après de mettre du gras et du sel partout sur son clavier et sa souris. Donc ça, c'est pas bête. Ah si, on peut rejoindre une guilde de tueurs, Barilos, évidemment. Il faut aller. C'est où déjà? C'est dans quelle ville déjà? Je crois que c'est à Rift. Non, c'est pas Riften. Toutes les choses pourries ne se passent pas à Riften non plus. Il y a une ville où il y a un... Ah, c'est à Windelm, je crois. Oui, c'est à Windelm. Tu peux... Il y a un gamin qui essaye de faire un rituel pour faire venir des tueurs. Et si tu participes au rituel, enfin, tu peux rejoindre la guilde après. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on va peut-être arrêter là pour ça. Bon, sinon, on continuera la prochaine fois. On continuera la prochaine fois parce qu'il nous reste quand même pas mal de choses. Il y a par exemple comment se comporter avec un accidenté de la route ou avec un handicapé. Il y a pour le fameux garde qui a pris une flèche dans le genou, là. Ce serait intéressant de savoir comment se comporter avec lui. Même si les passages sont quand même... Je vais vous le lire, juste pour finir. Parce qu'on va continuer, il y a d'autres choses. Hein. Il y a des chapitres qui ont des noms incroyables qu'il faudra faire. Comment vivre avec l'argent de son mari, par exemple. Ça, c'est important. En quelles circonstances doit-on jamais téléphoner mais écrire? Très important, en effet. Alors, moi, ma réponse, qui n'est pas celle de Nadine, c'est tout le temps. Ne téléphonez jamais aux gens, écrivez-leur. Qu'est-ce qu'on a de savoir se taire, savoir mettre fin à une conversation, l'accent, la pagination d'une lettre. Mais on va finir, justement, pour un petit hommage à Skyrim et à la flèche dans le genou, là. On va finir avec savoir vivre avec les handicapés. Page 97. Vous allez voir, j'arrive pas à croire que ce bouquin ait pu être publié. Alors, en même temps, c'est magnifique de candeur. Il faut jamais téléphoner exactement, Epsilon. Vous ne téléphonez pas, vous envoyez des messages écrits. Ou au pire, un message écrit pour dire, est-ce que je peux t'appeler? Mais vous téléphonez pas comme ça se fait pas. Alors, il faudrait faire, d'ailleurs, ce serait intéressant de faire un vrai bouquin comme celui-là, Le bonheur de nuire, l'art de recevoir. Faites un bouquin, mais sur les usages liés au numérique, ce serait très intéressant. Bref. Savoir vivre avec les handicapés. Tout le chapitre est parfait. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre société où chaque année, les accidents de la route font de plus en plus de victimes. Alors déjà, cette phrase est dingue. Ensuite, ça suppose qu'il n'y a qu'un accident de la route qui peut faire quelqu'un handicapé, ce qui en soi est très étrange, d'une façon. Savons-nous vivre avec les handicapés? Non, pas vraiment. Et très à la fond dans le validisme, Nadine. Notre première réaction lorsque nous rencontrons l'un d'eux, terriblement diminué ou déformé, est de tourner la tête pour regarder ailleurs. Or, ce geste d'exclusion, les handicapés le perçoivent et en sont affectés. Notre refus de les intégrer à notre vie resserre encore plus le cercle où leur infirmité les enferme. Notre sens civique, la solidarité qu'il nous faut témoigner à notre prochain, devrait nous inciter à surmonter nos faiblesses pour briser leur isolement, leur souffrance morale. Aider un aveugle à traverser, lui décrire ce qu'il ne voit pas, parler normalement à un handicapé mental, tenter d'élargir son univers, sont des tâches parfois difficiles, mais toujours gratifiantes. Ce truc est surréaliste. Faire naître un sourire sur le visage d'un enfant mongolien peut être une récompense. Et je me dis, mais putain, comment ce bouquin pourrait être réédité aujourd'hui? Donc, sur ces très bons conseils de Nadine de Rothschild, écoutez, je vous remercie de m'avoir parlé normalement à moi qui suis handicapé mental. Et je vais donc
et je vais vous laisser pour cette fois, mais nous reprendrons ce stream. C'est bien, c'est que ce stream Skyrim prend des directions inattendues. Et donc nous continuerons à suivre Skyrim, suivant les conseils de Nadine de Rothschild, la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y a... Le bouquin fait quoi, 400 pages, pas loin, hein. Ça fait, ouais, 380 pages. Merci Akira, je sais, je suis très gentil. Et donc du coup, ah oui, c'est ignoble, mais en même temps c'est à la fois c'est horrible, mais en même temps c'est dit avec une telle candeur de dame patronesse que c'est fascinant, quoi. Ah mais bien sûr, plein de gens font ce qu'elle reproche, bien sûr, mais oui, c'est ça, c'est exactement, c'est Tintin au Congo, c'est exactement ça, c'est le côté White Savior, c'est ignoble ce truc. Mais bref, nous allons continuer donc à voir les bons conseils de Nadine de Rothschild. Attendez, je vous la montre en grand. On va finir avec Nadine, regardez Nadine, qui est ma co-streameuse. Et ah oui, tiens, on va lire la quatrième de couverture. Oui, la quatrième de couverture, donc on va couper le jeu. Poc. Nadine de Rothschild, la quatrième de couverture est incroyable. Pas aussi bien que celle du bouquin Doom, mais Nadine de Rothschild. Ce nom évoque immédiatement l'élégance et la séduction, le luxe et le raffinement. Cela dit, il y a un chapitre entier sur comment rompre avec un de ses amants, donc je pense qu'en termes de séduction, la Nadine cache bien son jeu. Son secret, elle nous le livre dans ce merveilleux guide. Avec humour et légèreté, elle nous enseigne comment composer un menu, rompre avec son amant, voilà, rédiger une lettre et mille autres choses indispensables pour obtenir le seul passeport qui ouvre toutes les frontières et tous les cœurs, le savoir-vivre. Ah pardon, ça sature, mais c'est... Alors si ça sature, je suis désolé, mais ceci comme ça, je m'enthousiasme trop pour Nadine. Grosse saturation, mais c'est vraiment très... Oui, c'est vrai qu'elle a écrit Les Hommes de ma vie, en effet. Bon, et eh ben... Nadine de Rothschild, je vous laisse là-dessus. Et, mais il faut, je pense qu'il faudrait faire du Distorted Nadine, où on lirait Nadine de Rothschild, mais avec une saturation, une distorsion en fond de la caisse, et un truc de guitare un peu crade derrière. Ça serait vraiment tout un genre... J'ai appris récemment qu'il y a... Les sons ont changé depuis la fin du jeu. Ça doit être un problème de mixage, alors. Là, je vais remettre le son du jeu, ça ira mieux. Il y a un truc qui s'appelle le NATO Wave. J'avais découvert ça récemment et j'ai découvert cette existence de ça hier. En fait, c'est des gens qui font des vidéos de propagande de l'OTAN. C'est un peu parti de la guerre en Ukraine où ils montent du matériel de l'OTAN, un truc comme ça, avec un côté un peu synthwave au niveau des couleurs et de la musique derrière. Et ben de la même façon, on devrait faire du Nadine Core, qui serait ou du Rothschild Core, qui serait vraiment de la. De la Nadine Wave, exactement. Ce serait vraiment très très bien. Et bien sur ce, je vous laisse pour cette fois. Et on reprend Nadine de Rothschild et Skyrim la semaine prochaine. Et peut-être, en hurlant bien sûr, merci Flyghost. Oh putain, en plus j'ai un pote qui chante et joue dans des groupes de punk, rock machin, qui compose pas mal de conneries, ça lui plairait. Je vais lui soumettre l'idée et on verra, enfin, peut-être un stream avec ça. Ce serait une très bonne idée. Ouais. Eh bien, Zuzu enchaîne. Ah merde, il y a Zuzu derrière. Non, je savais pas. Après, Zuzu, depuis qu'il me traite de cannibale, je vous cache pas que j'ai pas méga, méga envie de lui laisser l'antenne. On va peut-être le faire attendre. Après, hein, Yvon me fait attendre aussi. Hein. Donc, non, il n'y a pas Zuzu derrière. Hein, non. Et bien sûr, je vous laisse. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour ce stream. Et alors, peut-être demain soir... pour un stream spécial, où il y aurait aussi Noël Malware, et des invités exceptionnels, mais je ne sais pas encore si on va pouvoir le faire, mais si vous le savez, ça popera comme ça dans l'agenda de la rédac, probablement dans le courant de l'après-midi. Voilà, salut !